Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo en principe, où nous allons tout simplement discuter de ce qui va se passer durant le mois de juillet et d'août. Alors pour être honnête, cette vidéo était censée être plus longue. J'étais censée discuter comme on va le faire maintenant et commencer un petit peu le point de croix pour nous préparer à la semaine prochaine. Mais il s'avère que j'ai une très grosse douleur au dos depuis 2 jours. Et je ne me vois vraiment pas passer 2 heures sur le point de croix pour aujourd'hui, puis le montage et compagnie. Donc on va juste faire la discussion aujourd'hui. Désolée pour ce cadre du coup qui n'est pas très joli. Mais voilà, c'est vrai que je voulais aussi me montrer pour vous parler. Mais il s'avère que j'ai pas très bien dormi. Du coup, j'ai pas une tête très agréable et je préfère donc qu'on voit le bureau, c'est beaucoup plus simple et ça nous permettra un petit peu de voir où j'en étais l'an dernier. Donc voilà, le sujet de cette vidéo, ça va être tout simplement les vacances, savoir un petit peu ce que je vais réaliser comme vidéo durant le mois de juillet et d'août. Comme l'an dernier, j'avais beaucoup apprécié faire ça, c'est tout simplement les séries d'été et je vais continuer cette année. On aura donc 2 séries d'été, le mardi et le vendredi. En sachant que cette année, je me laisse quand même pas mal de liberté pour des vidéos un petit peu différentes. Comme d'habitude, en été, il fait très chaud, j'ai besoin du ventilateur et donc je préfère des vidéos où je peux le mettre. Les vidéos création, la plupart du temps, je ne peux pas le mettre parce que je parle durant un petit moment pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Et donc, j'ai pas vraiment d'occasion de mettre le ventilateur, sinon ça s'entendrait au micro. De plus, avec les petites créations, j'ai pas envie que le vent remue ce que j'ai sur le bureau et que je passe mes journées à essayer d'attraper les strass qui se seraient envolées. Durant l'été, je préfère ne pas faire de création pour tout simplement pouvoir me mettre le ventilateur. L'avantage du mardi et du vendredi, c'est qu'il y a pas mal d'accélérés, donc je peux me permettre de mettre de la musique, pas le micro, et donc de mettre le ventilateur. Donc ce système-là va rester cette année. On va faire le mardi des vidéos sur Canva Workspace pour apprendre à reproduire certains petits motifs comme on avait fait l'an dernier. J'avais beaucoup apprécié et des commentaires que j'avais vus, vous aviez aussi beaucoup apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, ça me permettra de jauger un petit peu ce qui vous avait plu. En parlant de commentaires, n'hésitez pas non plus à me donner des idées de motifs que vous aimeriez que je reproduise et comme ça, j'essaierai de faire la plupart des motifs demandés. Alors s'ils sont trop complexes ou s'ils sont trop complexes à faire sur Canva ou s'ils sont trop complexes à faire pour moi, peut-être que je ne les ferai pas tous, mais dans l'idée, j'aimerais quand même avoir vos suggestions. Ça pourrait me permettre d'avoir des idées de ce que vous désireriez apprendre à faire. Et le vendredi, ça sera le point de croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on était censé en faire. Donc je vais continuer le point de croix chouette que j'avais commencé il y a 2 ans, je dirais, et que j'avais pas mal avancé l'an dernier. Cette année, ça continue. Je n'y ai pas touché depuis 1 an, donc ça va me faire plaisir de pouvoir y retoucher. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de passion et pas forcément le temps de toutes les faire et de toutes les pratiquer. Donc cette petite série d'été me permet de justement toucher à des passions que je n'ai pas forcément le temps de faire. Donc voilà, le vendredi, ça sera point de croix et le mardi, ça sera Canva Workspace. En sachant que je me laisse des petits bonus, c'est-à-dire que potentiellement, un vendredi, je pourrais faire des vidéos que sur la Cricut ou sur, par exemple, Affinity Designer seulement. Je me laisse vraiment cette liberté-là de pouvoir faire ce qui me donne envie à ce moment-là. Et pour le mardi, il est aussi possible que je fasse des vidéos un petit peu différentes. Par exemple, si je trouve un motif facile à faire sur Affinity Designer et un peu moins évident sur Canva, vous présentez les 2 vidéos en une seule, c'est-à-dire Canva et Affinity dans une seule et même vidéo, et vous montrez un petit peu ce que Affinity Designer a dans le ventre. Je me laisse aussi la liberté de faire une vidéo création justement pour le mardi, tout simplement parce que mardi dernier vous avez apprécié le cadre de naissance et je crois qu'on m'a demandé de le refaire en réalité. Donc il y a de fortes chances que cet été il y ait aussi ça, sûrement un jour où il fait pas très beau, comme ça j'aurai pas trop chaud. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu pour cet été, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce programme vous intéresse et vous plaît. N'hésitez pas non plus à me marquer des suggestions de motifs que vous aimeriez que je refasse sur Canva ou Workspace. Ça pourrait être marrant, moi ça me permettrait de faire des motifs que je n'aurais pas forcément pensé et vous ça vous permettra d'apprendre à reproduire certains dessins.
Au niveau du point de croix, voilà où nous en étions l'an dernier. J'avais donc fini le bas de la chouette. Alors quand je dis fini, c'est au niveau des couleurs classiques. Il reste des trous par-ci par-là, tout simplement parce que c'était les mélanges de couleurs. Il y a d'ailleurs de fortes chances que cette année, dans la série d'été, je fasse une vidéo particulière où j'explique comment faire un mélange de couleurs pour pouvoir terminer le bas. Dans le bas, il me manque juste les mélanges de couleurs et les traits fins que je n'ai pas fait parce que je le fais souvent en dernier. Et j'avais débuté le haut de la chouette, je continuerai donc cette partie-là dans les séries d'été aussi. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, elle a été courte, je m'excuse encore de ne pas faire de point de croix avec vous aujourd'hui. J'espère vite me remettre en forme pour que vendredi prochain nous puissions attaquer ce point de croix. J'espère que ce programme vous plaira, j'espère que cela vous donnera de l'inspiration et on se retrouve donc mardi pour la première vidéo de la série d'été où nous allons apprendre à reproduire des motifs sur Canva. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce programme. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.